En manchette, aujourd'hui, Lanaudière reste en zone rouge et un site ambulant pour la vaccination de la COVID-19 à l'école Pierre de l'Estage. Bienvenue à tous pour ce bulletin d'information du 4 mars 2021. Donc, des nouvelles concernant le dossier de la COVID en partant, en débutant ce bulletin. On rappelle qu'hier soir, le 3 mars, le premier ministre François Legault a annoncé que Lanaudière reste en zone rouge. Ça s'est fait lors d'une conférence de presse. On représente des images de cette annonce qui a déplu à bien du monde. Le bon côté, évidemment, c'est la vaccination qui approche, mais quand les experts de la santé publique mettent ça tout ensemble, ils voient que dans les prochaines semaines, bon, d'abord, quand on regarde les régions, il y a des régions, quand on regarde les hôpitaux, où on peut voir une certaine stabilité, puis il y a une petite marge de manœuvre. Mais il y a d'autres régions où il n'y a aucune marge de manœuvre. Puis donc, si, puis il semble que c'est même pas un si, mais c'est plus quand il va y avoir une augmentation des hospitalisations dans ces régions-là, bien, on va se retrouver dans une situation qui est difficile. Donc, c'est en tenant compte de ce contexte qu'on a eu à prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que je vous annonce que lundi prochain, le 8 mars, les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, Centre du Québec vont passer au palier orange. Donc, ces régions-là, ça veut dire que les gyms, les sports à deux, les salles de spectacle, les restaurants vont pouvoir rouvrir donc dès lundi prochain jusqu'à 9 h le soir. Puis le couvre-feu va passer à 9 h 30 le soir dans ces régions-là. Je rappelle que dans les zones oranges, les enfants qui sont avant la cinquième année n'ont pas à porter de masque. Puis on a fait aussi un accommodement dans toutes les zones oranges, le nombre de personnes maximum dans les lieux de culte va passer de 25 à 100. Donc ça, c'est pour Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie et Centre du Québec. Maintenant, pour ce qui est de Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, la santé publique prévoit que dans les prochaines semaines, il va y avoir une augmentation des cas et des hospitalisations. Donc, on ne peut pas, dans cette situation-là, changer la couleur de ces ondes. Donc, ces ondes vont rester rouges par prudence. Justement, vous avez dit que vous prévoyez dans certaines régions, là, Laurentides, Lanaudière, notamment, une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations. J'aimerais vous entendre là-dessus. Pour l'instant, ils ont un bilan qui est favorable. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Combien de cas? Est-ce qu'il y a des variants dans ces endroits-là? Puis est-ce qu'il y a des éclosions qu'on ne connaît pas encore? Écoutez, si je peux me permettre de répondre, Monsieur le Premier ministre, il faut voir que les projections qu'on a eues ont des énormes intervalles de confiance. Mais ce que je voudrais vous dire, ce qui va nous aider, un, c'est clair que dans le rouge, compte tenu de la concentration de variants, puis il y a des éclosions dans ces territoires-là. On sait qu'il y a eu des variants dans des éclosions au niveau scolaire, etc. Ce qui va nous aider, c'est qu'il y a toute une série de mesures. Hein. Je veux juste que vous compreniez que quelque part, même, il y a toute une série de mesures qui sont encore en maintien. Et je pense qu'avec une capacité de traçage, de dépistage des équipes de santé publique, en contrôlant les éclosions, en respectant les consignes qu'on vous dit, on a le couvre-feu qui est maintenu, c'est pas pour rien, c'est pour éviter les rassemblements, la transmission communautaire. On a l'interdiction des contacts privés à la maison, on a encore le télétravail obligatoire. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous aider à justement contrôler cette transmission-là comme telle. On pense que, parce que quand les variants s'installent, il y a une augmentation, mais comme dit le premier ministre, c'est de retarder tout ça avec une quantité importante de vaccination. Là. C'est là qu'est l'enjeu. Notre période, elle est, je vous dirais, critique, parce que si on relâche trop, là, ça va se mettre à monter de façon significative avant que les gens soient vaccinés. Mais si on est encore rigoureux et qu'on applique toutes ces mesures-là comme telles, même l'impact de la semaine de relâche que les gens pour lesquels on a des préoccupations, que nous, ça nous préoccupe,
Puis si on maintient les autres situations en place, on va être en mesure, à mon avis, d'être en contrôle. Mais on va voir des nombres de cas. Ce qui est important, c'est de respecter toutes les consignes pour que, au lieu de monter comme ça, ça monte progressivement. Des régions comme, par exemple, la Naudière ou la Montérégie, ce sont de grandes régions. Elles sont toutes dans le rouge. Évidemment que la situation, par exemple, je prends la Montérégie, à Longueuil, est peut-être plus inquiétante qu'à Saint-Cyprien-de-Napierreville. Pourquoi ne pas avoir créé des sous-régions, comme ça s'est vu, par exemple, au printemps, par exemple, dans la Capitale-Nationale. La Capitale-Nationale avait une couleur, Charlevoix en avait une autre. Pourquoi, là, vraiment, on y va à la grandeur des régions, à la place d'y aller vraiment là où il y a des problèmes? Bien, je vais peut-être commencer en disant, quand on regarde d'abord de façon détaillée les sous-régions, on voit, exemple, dans Laurentides, la sous-région qui est la plus affectée, c'est Antoine Labelle, dans le coin de Mont-Laurier, dans le nord. Quand on compare la Naudière-Nord et la Naudière-Sud, il n'y a pas une grosse différence. Quand on va dans Montérégie, on voit que ce n'est pas nécessairement à Longueuil que c'est le pire, mais c'est plus dans le coin de Richelieu. Donc, c'est pour ça là, que... Puis en plus, il y a une autre raison, c'est que les hôpitaux de ces régions-là desservent l'ensemble des régions. Donc, si ça va mal, puis déjà c'est serré, mettons, dans la Naudière, à Joliette, à Terrebonne, c'est les deux hôpitaux qui desservent toute la région. Même chose avec Saint-Jérôme, Deux-Montagnes, Dain-Laurentides. Si on prend les hôpitaux dans Montérégie, c'est la même chose, ils desservent une immense région. Donc, c'est difficile de découper les régions sans tenir compte des grands hôpitaux de ces régions-là. Bon, d'abord, si on parle des régions rouges, on va recommencer le parascolaire, les sports à l'école à partir du 15 mars. Deuxièmement, la semaine prochaine, on va annoncer des assouplissements dans le sport. Maintenant, le variant britannique là, est malheureusement présent dans certaines régions, puis il y a un risque réel de troisième vague. Donc, on n'a pas le choix actuellement. Puis je comprends que les gens sont tannés. On est tous tannés. Mais en même temps, il faut être capable de rester prudent. On ne veut pas se retrouver dans la situation qu'on avait en janvier dans nos hôpitaux. Et on ne veut pas continuer à délester des chirurgies et des traitements dans nos hôpitaux de la grande région de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent. Ce n'est pas pour le plaisir. Puis, le variant, il y a quelques mois, il n'y a personne qui parlait de ça. On a quand même ouvert certaines activités pour la relâche scolaire, puis on laisse ça ouvert. Donc, on pense aux patinoires, aux piscines municipales, au cinéma. Donc, il y a eu des efforts de fait, mais à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Pour la région de la Naudière, en ce jeudi 4 mars, voici le portrait au niveau de la COVID. 542 cas actifs. Depuis le début de la pandémie, on parle de 20 474 cas. Présentement, il y a 17 hospitalisations, 6 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable, 492 depuis le début de la pandémie et 19 440 cas rétablis. Si on y va par MRC, la MRC compte le moins de cas. La MRC de Montcalm, 19 cas. Matawinie, 21. Joliette, 46. La MRC de Dautré, on parle aujourd'hui de 120 cas. 153 à la MRC Desmoulins et 183 à la MRC de l'Assomption. Si on regarde dans la MRC de Dautré, on parle de 14 cas à Berthierville, 11 cas à La Valtrie, 20 cas maintenant à Saint-Ignace de Loyola et où le bas blesse, 71 cas à Lanoraie. Toutes les autres municipalités ont entre 0 et 5 cas là, dans la MRC de Dautré. Autre nouvelle, cette fois concernant l'école de Lanoraie. Selon nos sources, l'école primaire, la source Dautré à Lanoraie, restera fermée jusqu'au 11 mars suite à cette éclosion de COVID-19 survenue à la fin du mois de février. Rappelons que l'école avait fermé de manière préventive ses portes le 25 février dernier. On poursuit maintenant avec le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré.
Le centre de Cabba donc confirme qu'il est en mesure d'accompagner les aînés qui désirent se faire vacciner. La direction de l'organisme annonce en effet que les personnes de 65 ans et plus qui en feront la demande pourront obtenir gratuitement un accompagnement transport par un de leurs bénévoles afin d'aller se faire vacciner. On rappelle, selon le directeur général du CABA, Pierrot Lapierre, on rappelle que le service d'accompagnement de transport du CABA n'est pas un service de taxi et qu'il est donc essentiel de communiquer rapidement avec le centre afin de s'assurer qu'un bénévole puisse être disponible pour le rendez-vous. Le numéro à composer, 450-836-7122. Donc, on rappelle qu'il n'y a aucun précédent sur lequel s'appuyer pour prévoir la demande à venir en accompagnement transport. Donc, faites signe au CABA le plus vite possible quand vous serez prêt. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. En ce 4 mars, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Mance Laforêt et à Denise Latour. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 4 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant en politique fédérale. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé pour le Bloc québécois et porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, en compagnie de Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole en commerce international, ont tenu hier, 3 mars, une conférence de presse. Ils étaient accompagnés de plusieurs de leurs collègues bloquistes et d'une dizaine de producteurs sous gestion de l'offre des régions de l'Estrie, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches. Tout cela pour demander au gouvernement libéral et à l'ensemble des députés des autres partis d'opposition de tenir l'engagement moral qu'ils ont pris quant à la protection du système de gestion de l'offre et au règlement du dossier des compensations promises aux producteurs et aux transformateurs très durement touchés par les trois derniers accords de libre-échange signés par le Canada. On écoute M. Perron à ce sujet. Merci, M. le Président. Le but de ce projet de loi est de protéger la gestion de l'offre, la rendre intouchable dans les futures négociations internationales. Le gouvernement a mis notre modèle agricole sur la table lors de la négociation des trois derniers accords de libre-échange. Et il a perdu. On nous promet des compensations pleines et entières depuis 2015 sous les conservateurs. En menaçant l'intégrité de notre système agricole, le gouvernement nous fait perdre près d'un demi-milliard de dollars par année. On a besoin des compensations. Une seule des productions a véritablement eu droit à des prévisions.
Les autres ont eu droit à une annonce d'un montant global. Deuxièmement, les transformatrices et transformateurs sont complètement évacués par l'annonce. Troisièmement, il n'y a rien qui concerne l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui est pourtant le plus dévastateur pour la gestion de l'offre. Quatrièmement, c'est que même si les compensations sont éminemment souhaitables et nécessaires, il n'y a rien qui vient remplacer une véritable brèche dans un système qui a fait ses preuves. Tous ces déséquilibres ont un dénominateur commun. Les concessions au système de la gestion de l'offre dans le cadre de négociations entourant le commerce international. Il faut donc mettre un terme à cette opération de démantèlement en empêchant le Canada, par force de loi, de mettre la gestion de l'offre sur la table. Vous pouvez demander d'appuyer le projet de loi du Bloc québécois visant la protection de la gestion de l'offre une fois pour toutes. On doit préserver ce qui reste de notre souveraineté alimentaire. Merci. Pierre, donc évidemment, on travaille également en parallèle sur les compensations, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est principalement C216. Et pourquoi on vous en parle cette semaine? C'est parce que la semaine prochaine, le 8 mars, il y aura une autre heure de débat et le 10 mars, il y aura le vote. Et le vote qui a lieu le 10 mars, c'est pour envoyer ce projet de loi-là pour se faire étudier en comité. Alors, nous, on vous demande de contacter vos députés, de les inciter à voter en faveur de ce projet-là. Un parti politique qui promet la main sur le cœur et la larme à l'œil qu'il va protéger la gestion de l'offre a une obligation morale de, au minimalement, envoyer ce projet de loi-là en comité. Là, ça ne sera pas effectif le 11 mars. Là. On va l'envoyer en comité, puis là, on va l'étudier correctement. Alors, tout politicien qui vous répondrait « Ah, ça dépend comment c'est écrit. Ah, il faut voir les impacts secondaires. Ah, il faut voir si c'est constitutionnel. » En passant, nous, on a une étude qui dit que oui, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'excuse. Qui viennent en comité et que là, on amène des griefs. Et je vais vous assurer que mon très estimé collègue Simon Pierre, dans son comité de commerce international, sera très ouvert d'esprit parce que nous, ce qu'on veut au bout de la ligne, c'est que la loi passe, pas pour nous autres, pour notre monde agricole. Parce qu'au Bloc québécois, vous le savez, quand on est arrivé là en 2019, nouvellement parti reconnu, les premières phrases qu'on a prononcées, c'est que nous, on est un parti de proposition. Puis on arrive là de façon constructive. Puis ce qu'on veut, c'est travailler pour notre monde. Puis quand on juge un projet de loi, on se demande pas si je vote pour ça, est-ce que ça va me faire gagner des votes. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bon pour notre monde? Puis si c'est bon pour notre monde, on vote oui. Je donne un exemple très pertinent. Hier, M. Groslot, avec les cinq représentants des Géo5, de toutes les gestions de l'offre, ont écrit une lettre aux chefs de partis fédéraux, les enjoignant à adopter C216, mais aussi le projet de loi C208 qui, lui, vise à rétablir une injustice épouvantable au niveau de la succession des fermes. Puis c'est un projet conservateur, C208. Et vous savez quoi? M. McGuire, qui l'a déposé, m'a sollicité à l'automne 2019. J'ai signé un formulaire, j'ai co-parrainé le projet de loi et le Bloc québécois appuie C208, pas parce que c'est un projet de loi du Bloc québécois, parce que c'est un projet de loi qui est bon pour notre monde et qui est nécessaire et qui aurait dû être adopté il y a longtemps. Moi, j'invite tous les autres élus de toutes les autres formations politiques à faire la même chose. C'est une démarche non partisane qu'on fait aujourd'hui. Là, je m'étire plus que les autres journées. C'est parce que des fois, c'est ça, il y a des événements qui nous font parler plus longtemps. Fait que je vais, sur ce, laisser la parole. Mais juste avant, il faut que je vous mentionne qu'avec le communiqué de presse, vous l'avez sûrement vu avec l'avis média, on a lancé aussi une vidéo. Donc, il n'y a pas eu seulement la lettre d'hier. Dans la vidéo où Simon-Pierre et moi faisons état de la situation en à peu près 2 minutes, nous avons en appui Daniel Gobeil des producteurs de lait, Ghislain Loyer des producteurs d'œufs d'incubation du Québec, Brian Bikes des producteurs d'œufs d'incubation du Canada, Alain Chalifoux, du président du Conseil industriel laitier du Québec, Benoît Fontaine, président des producteurs de poulet du Canada, Pierre-Luc Leblanc, président des producteurs de volailles du Québec, Paulin Bouchard, président des producteurs d'œufs de consommation du Québec, Darren Ferenc, président des éleveurs de dindons du Canada, Roger Pellicero, président des producteurs d'œufs de consommation du Canada, et Sylvie Cloutier, présidente du Conseil de transformation alimentaire du Québec, pour vous dire que ce projet de loi-là, il est demandé par tout le monde et c'est un appui massif. Donc, on demande, contactez vos élus, il faut qu'on fasse passer ça.
On reparle maintenant du dossier COVID. Le CI3S de Lanaudière annonce la mise en place de sites ambulants de vaccination contre la COVID-19 avec rendez-vous dans plusieurs municipalités de la région. Ces sites se distinguent des sites permanents du fait qu'ils seront ouverts en alternance au cours des prochains mois. L'information sera disponible via la section vaccination du site web du CI3S de Lanaudière ainsi que sur la page Facebook du CI3S. Ce service ambulant débutera vendredi 5 mars alors qu'un site de vaccination sera ouvert à Saint-Gabriel-de-Brandon ainsi qu'à Saint-Jean-de-Mata. Pour y recevoir le vaccin, les personnes âgées de 80 ans et plus nées en 1941 et avant doivent avoir préalablement pris le rendez-vous via québec.ca/vaccin-COVID ou en composant le 1-877-644-4545 pour obtenir du soutien. Les personnes proches aidantes peuvent aussi se faire vacciner en prenant un rendez-vous avec leurs proches si elles sont âgées de 70 ans et plus et si elles sont présentes 3 jours par semaine et plus en soutien à leurs proches. La séquence des groupes prioritaires dans Lanaudière et les conditions de vaccination pour les personnes proches aidantes respectent l'ordre établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux et évolue selon la réalité démographique de chaque région. Cela peut expliquer certaines disparités, nous dit-on, pouvant exister notamment avec la région de Montréal. L'école secondaire Pierre de l'Estage, 881 rue Pierre de l'Estage à Berthierville, sera donc l'un des sites ambulants. Notez que le site qui sera situé à l'école Pierre de l'Estage ne sera disponible qu'une seule fois. Vérifiez donc la page Facebook ou le site web du CI3S Lanaudière pour plus d'informations ou afin de connaître les autres sites ambulants de la région. Vous aurez à ce moment-là toutes les adresses et vous pourrez procéder au bon endroit, au bon moment. Voilà pour la COVID. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est un petit dégât qui m'a donné mes prothèses. Merci! À son domicile, le 28 février dernier, à 74 ans, est décédé M. André Robillard, époux de Mme Carole Bello. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Mathieu Bello, Jessie Kim Gadouri, son petit-fils Malik, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Robert Robillard, feu Nicole Duval, Denise Robillard, Albert Boucher, Henriette Bello, René Bello, Maurice Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation de pandémie actuelle, la famille
a pris la décision de reporter le rituel funéraire à une date ultérieure, et cela en toute intimité. Paisiblement entouré des siens à son domicile le 23 février dernier, à 91 ans, est décédé M. Maurice Brûlé, époux de Mme Claire Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Guy Brûlé, Joan Grégoire, Chantal Brûlé, Alain Bellumeur, ses petits-enfants Francis Brûlé, Hans Brûlé, Aurélie Valois, William Brûlé, Cathy Perlag, son arrière-petit-fils Léandre et bébé Scarlett à venir, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Marcel Lorando, feu Roland Brûlé, André Brûlé, Rita Tran, Véronique Massé, Rosaire Fafard, Lynn Lincourt, feu Viateur Massé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 15 mai prochain dès 13h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h30. Les cendres de M. Brûlé seront déposées au colombarium du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au nom de CTRB, de son personnel, nous souhaitons à ses familles nos plus sincères sympathies. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo pour la fin de la journée du 4 mars et le 5. Ce soir, jeudi, moins 9, plutôt nuageux. Dans la nuit, ça reste assez semblable. Nuageux, moins 13. Vendredi matin, les nuages sont percés par le soleil, donc il y a des éclaircies. C'est frisquet quand même, moins 13. En après-midi, même chose, le soleil nous souhaite un petit peu une belle journée à travers les nuages, moins 8. En soirée, ciel variable. On sait que durant, si ça se passe comme prévu, la semaine prochaine, on ira chercher des augmentations au niveau de la température. On parle des 8 à 11 degrés, donc ça reste à confirmer. Mais lentement mais sûrement, on s'en va vers le printemps. Voilà, c'était vos informations en ce 4 mars. Alain Bellumeur qui vous souhaite bonne fin de journée sur notre antenne et au plaisir de partager les nouvelles de la région demain sur les ondes CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.